Le bon début de saison de l'Olympique de Marseille est à valider avec la réception d'Angers, des Marseillais qui ont remporté leurs deux premières rencontres. Ils n'ont toujours pas encaissé de but. Angers de son côté, avec une victoire et un nul, a également réussi de bons débuts. Marseille qui dispute ce match de championnat entre deux rencontres d'Europa League, les barrages pour accéder à la phase de poule de la compétition européenne. Mais il faut rester concentré sur ce match de championnat. Marseille avec une équipe légèrement remaniée. Jordan Amavi, l'une des dernières recrues, est titulaire à la place de Patrice Evra. Bounassar est titulaire dans le couloir droit. Clinton Gier est en pointe à la place de Valère Germain. Les Marseillais qui sont les premiers à attaquer assez logiquement avec le centre. Et le petit festival dans la surface de Clinton Gier qui profite de sa titularisation. 17e minute, Marseille mène à 1-0. Troisième but de la saison déjà pour l'international camerounais. Avant ce but, il en avait déjà inscrit 6 en Ligue 1 Conforama avec Marseille, dont 5 à domicile. Il aime le stade Vélodrome et il le montre encore sur ce but très astucieux. Marseille a parfaitement débuté alors qu'Angers a eu un petit peu de mal dans les premières minutes. Mais la réaction angevine est intéressante avec Enzo Crivelli dans la surface. Il se joue d'Adil Rami, mais but sur Steve Mandanda. Angers qui se déplace avec son capitaine Thomas Mangani. Santa Maria est titulaire au milieu. Fulgini, Manso, Toko et Cambi et Crivelli sont également présents. Mais pour l'instant, Marseille mène 1-0. En seconde période, les Marseillais vont essayer de se mettre à l'abri sous le regard de Dimitri Payet absent. C'est Florian Thauvin qui porte le brassard de capitaine. Valère Germain est entré en fin de première période à la place de l'unique buteur du match pour l'instant, Clinton J, blessé. Et Angers qui revient avec de meilleures intentions. Carl Toko et Cambi, il reste 20 minutes dans le match. Le ballon roulé et l'égalisation angevine. Le premier but de la saison pour Toko et Cambi. Et les deux buteurs du match ont remporté ensemble la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier au Gabon avec les Lions Indomptables du Cameroun. Toko et Cambi qui répondent donc à son compatriote Clinton Gier. Ça fait un but partout. Marseille se retrouve piégé dans ce match. Il reste encore un petit peu de temps. Et Angers essaye d'en profiter sur ce coup franc. Steve Mandanda à la parade pour empêcher une défaite au stade Vélodrome. Angers fait une seconde période un peu plus convaincante. Marseille a également un ballon intéressant avec Ocampos qui perd le contrôle du ballon et qui se jette. Un tacle sur un adversaire trop dangereux pour l'arbitre Jérôme Miguel Gori. Lucas Ocampos exclu à la 94e minute. Marseille termine à 10. Mais il ne reste plus que quelques secondes à jouer. Et les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Un but partout entre Marseille et Angers.